Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir, d'une manière obscure. Mais alors que nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai tel que j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 13. Bon Dieu béni au matin. Je souhaite un très bon vendredi et déjà un très bon week-end. Ses amis et frères, Maestro Berthe d'Orvilmar. On était content pour nous prier ensemble pendant la semaine ça. Et quand on a marqué pendant la semaine ça, il y a un coq qui vraiment participé dans la prière là ensemble avec nous. Donc, moi, je n'ai pas gagné un coq là, quand même, mais c'est un coq dans le voisinage là. Coq ça a participé presque dans la majorité ça m'a fait. Malgré que je suis moi là avec Dieu, elle a toujours chanté ensemble avec moi. Donc, quand tu as participé largement à la prière là, au cours de cette semaine. Et moi, j'espère que ça ne va pas trop déranger. Parce que quand tu as vraiment présent dans la prière, pas de semaine là. Moi, salut au matin. Hein? Et moi, je crois que tu es bien dormi ou bien levé à la gloire de Dieu. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, l'espérance, l'amour. Sa plus grand, c'est l'amour. Prophétie a fini. Langue a fini. Connaissance a disparu. Mais l'amour a toujours existé. On nous dit bon Dieu merci, matin. J'ai toujours fait chaque vendredi. On nous dit merci pour semaine ça. On nous dit merci pour chaque parole que tu as voyée pour nous. Et on nous demande pour être capable de faire nos grâces. Pour nous mettre en pratique ce que nous entendons. Parce que nous avons remarqué que l'Église n'a pas de problème la parole vraiment ces jours-ci. Mais moi, avec vous, nous avons un problème de mise en application. Nous avons un problème de mise en application. Ce que nous entendons pour nous. Appliquez vraiment dans la parole que bon Dieu demande. On nous demande la grâce pour ne pas seulement des chrétiens théoriques, pour ne pas faire théorie de l'évangile là seulement, pour nous rentrer dans la pratique de l'évangile, dans la pratique de sa parole. Il y a un auteur qui te dit parole, bon Dieu, pas un livre pour lire, mais c'est un livre pour vivre, c'est un livre pour pratiquer. Peut-être avec vous, nous prenons le temps pour nous lire seulement. Parole bon Dieu, mais parole bon Dieu, pas un livre pour nous appliquer. Mais parole bon Dieu, c'est un livre pour nous appliquer. Sûrement pour nous connaître qui savent nous devons appliquer, nous devons lire quand même. Mais parole bon Dieu, pas arrêter au stade de la lecture. On a le côté bon Dieu matin. Pour nous demander grâce, pour nous rentrer dans la pratique parole. Papa, nous remercions matin. Béni nos matins pour privilège ça. Opportunité ça a été accordée au cours de cette semaine. Nous sommes capables ensemble pour nous la prière, Seigneur. Nous rendons gloire à vous-même. Merci pour chaque monde qui t'a prié avec nous pendant la semaine ça. On va bénir, Seigneur. Et fais-nous grâce, Seigneur, pour que les paroles nous tendent pendant la semaine ça. Pour nous mettre en application. Que nous sommes capables de remettre.
remet avec tout cœur nous, remet dans les gens que nous devons remet. Merci Seigneur pour chaque grande parole que vous avez voulu pour nous. Merci pour parole que vous avez lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin. Pour arriver jeudi à qui vendredi matin. Chaque jour, vous avez donné une parole particulière. Et bien, nous avons un cœur, Seigneur, pour nous bien emmagasiner les paroles et pour nous mettre les paroles en application. Nous avons fait l'évangile purement théorique, mais Seigneur, obtenons-nous dans la pratique de ta parole. Aidez-nous à appliquer les paroles Seigneur, pour changer vie, nous. Aidez-nous à appliquer les paroles pour changer entourage, nous. Aidez-nous à appliquer les paroles changer l'église, non, Seigneur. De nous appliquer parole, ça, pour changer pays, non. De nous appliquer parole, ça, pour nous capables de même changer monde, ça, Seigneur. Parce que l'amour a une capacité, l'amour a un pouvoir, l'amour a une puissance pour changer monde, ça, pour changer le cours des choses. Père, nous comptons sur vous. Bénis-nous, Seigneur, bénis le week-end, là. Et lundi, si Dieu veut. Accordez-nous encore privilège pour nous capables ensemble pour une nouvelle semaine de prière. Nous comptons sur vous matin. Que grâce soit couvrir nous, que grâce soit enveloppée nous, que bénédiction inonde la vie, mon Seigneur. Père, nous comptons sur vous. Merci parce que voix nous arrive dans nos oreilles. Et grâce aux bénédictions déversées sur la vie, nous, de manière extraordinaire. C'est prier nous devant matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon Dieu béni, on merci pour ce côté-là. Pendant toute semaine, nous avons prié ensemble. On prie, bon Dieu, ben nous un week-end béni. Et accorder nos privilèges lundi, si Dieu veut. Nous capables ensemble pour nous continuer. Approcher devant notre nom dans la prière. Mon Dieu béni, on s'était frères amis, on major, maestro Bertin d'Orville-Marc.